Allez, alors nouveau tour de la suite de cette partie. Quand ça chargera correctement. Allons-y. Hop. Comme ça, moi, vous verrez le passage de tour. Ce qui est plus intéressant pour vous. Mais moi-même, commencer l'enregistrement à partir du View Last Action Replay. Enfin, Last Tour Replay. Ok, allons-y. Voilà, hop, il y en a un. Je lui fais un petit piège. En Chine, il attaque toujours ce point-là, c'est normal. Ça va être de nouveau être un échec pour ses assauts. C'est très bien. Ça sert à que je l'arrête. Voilà, ok, bloqué, nickel. Bon, l'armée italienne, ça se compte même pas, c'est même pas du blocage. Ah, quand je disais qu'il allait taper là. Par contre, il a pas mis les chars en première ligne. Ah. L'objectif, c'est de voir s'il peut débarquer sur le port ou quoi. Ok, donc on perd deux morts à la côte à Biskrir. Ok. Oui, les Baltic Stakes sont à moi. Là. Ok, alors d'abord, avant de placer les troupes. Attends, je regarde, j'en ai une en Chine ou pas? Ah, le Dare to Die Special Corp, ok, donc ça c'est des forces spéciales et j'ai un corps. Ok, on va commencer par la Chine. Alors, donc ça c'est très bien, on va renforcer. Pouf, tac. Ça c'est très très bien. Là également, on renforce. Ok, ici. Je vais fortifier en bas. Ouais, mais en fait, j'ai pas besoin de plus de side. Alors, j'ai besoin que celui-là soit protégé et celui-là. Oh, ah, techniquement, en fait, si. Voilà. Histoire d'éviter tout problème. De toute façon, je le tends 105 jours, mais il est pas prêt d'arriver. C'est un moment où il va pouvoir passer. Ok. Ah, lui, je peux pas le renforcer. On va peut-être le virer si on peut pas le renforcer. Ça sert à rien de mourir gratuitement. Ouais, Supply 3, il est pas bien ravitaillé. Ce qu'on va faire, on va repousser lui. Voilà. Pour le reste, j'ai pas vraiment d'autres actions à faire. Alors là, il a mis des armées, donc normalement, s'il met des armées, c'est qu'il va taper. Ah, je peux faire 2 points. Ce qui est pas... 2 pour 2. Oh, c'est pas mal. Donc là, j'ai des armées. Là, juste un corps. Donc point... mon point faible est là. Là, c'est des armées. Je serais presque tenté d'avancer, mais non, on va attendre un peu. J'ai 133 points. New unit. Bah, du coup. On va sortir la force spéciale par ici et le corps ici en cas de besoin. Voilà. J'hésite même à acheter un corps. Je suis pas sûr que ça va apporter grand-chose. On est en juin. Juillet, je récupère une armée. J'ai déjà trop de troupes en fait.
Hop, voilà, comme ça on va mettre un pion armé là. On va faire tourner. Là c'est bon. On va racheter un corps histoire de. Ok. Ensuite, ici, avant d'oublier. C'est le Deutschland, des Vicruiser. Là, on va lui faire un petit piège. C'est s'il veut descendre, paf, on va le bloquer. Alors, j'y vais pas parce que sinon, il va me taper très fort. Hop là, là, je fonce. Le Wolfpack ici. Ok, et il y en avait un autre. Alors, on va passer par ici. Ok, il est passé par là, mais. Alors. On va ramener ça ici. Ça par ici. Light Cruiser. Destroyer. Non. Pouf. On va remonter les porte-avions. Remarque, est-ce que je les remonte parce que j'en ramène un? Remarque, non, j'en ai déjà un là. Par contre, on va mettre un destroyer Gibraltar. Bon, bah on trouve rien. On va retourner. Je pense qu'en fait il va aller par ici, donc je vais renvoyer. J'ai envoyé deux destroyers par là. Nouvelle unité, j'ai quoi? Mon char à Plymouth, prêt à être envoyé. Ou je suis peut-être en opérette, je sais pas. Hop, un CV. Alors d'abord on mettra les Français après. Raider, ouais. Alors ce qu'on va faire. Et lui on va le mettre ici. Ah tiens, bombardier naval. Oh. Ils ont un heavy cruiser. Ok. Alors, comment on va faire ça? Ce qu'on va faire. On va se mettre ici. Et je vais envoyer ce Wolfpack là. Qui est plus facilement sacrifiable. Ici. On va renforcer ici. On part demander Amsterdam. On renforce l'aviation française. Alors là, il m'a pété mon point. Ok. Je vais défendre.
Bon, on va mettre ça, tac, 70 jours, hop là. Alors j'ai une question, nouvelle unité, le West Africa Corps stuck, il va aller là. Une perte, non, je peux pas prendre des pertes gratos. Le char, il va ici. On renforce tout ça. Hop, là je mets là parce que juste histoire d'être sûr qu'il reste à Tripoli. Ici, alors. Plein. Allez, on remonte tranquillou. Pas d'urgence. Là, j'ai deux pions, c'est largement suffisant. Ah, là, sont des pions armés, quand même. Donc, faut faire attention. C'est important. Achetons un corps. Ouais, si jamais il va passer vite, tac, je récupère ça. Armée russe. Pardon, pas les techs. On va acheter un corps. Alors, ici, j'avais vu que j'ai terminé ma fortification. Je vais en faire une ici. Ok, j'ai un char là, hop, qu'on va remonter. Deux cent vingt-cinq points d'Indien. Bon, on va encore attendre. 258 d'Américains. Des tanks. On peut prendre des troupes du Panama, c'est la folie. Bon, on est pas mal, hein. Avec bon tout ce que ça veut dire vu la période, mais en soi, c'est pas mal. Je vais avancer ça ici si je veux pouvoir bombarder. Alors le Wolf Pack là, je pense que c'est peut-être pour vérifier qu'il peut débarquer. Parce que d'ici, il voit cette case et il voit celle en dessous.
Du coup, dans le doute, ce qu'on va faire. On va mettre cuirassé là. Et ça ici, comme ça, on va les gêner un peu dans leur mouvement. Ça. Donc s'il y a besoin de son, j'ai déjà un char qui est en bas, donc ça sera rapide de ramener des renforts. Je peux pas attaquer l'autre. Je peux aller là si je veux. Peut-être les... du coup si Emile a une. Après je le verrai de toute façon. En même temps, s'il veut faire. Attends, c'est pas dire. S'il veut faire débarquement, sa troupe est forcément prête. Donc elle est forcément là. Et encore. Ouais, non. Je sais pas ce qu'il veut faire. Bon. Partons là-dessus. Écrasons les Italiens. Alors, il y a Rod que je pourrais peut-être lui chercher un moment. Tiens, d'ailleurs, prendre ça. Juste pour voir, ok. Rod est vide, si je veux la récupérer. Bon, bah c'est pas trop mal. Enfin bon, c'est pas trop mal. Tour correct, quoi. Ce qu'on va faire, on va juste pousser un peu les moteurs du destroyer pour aller... ici en cas de besoin et taper le sous-marin. Ok, alors allons-y. Donc là, le nombre de reroutes les convois. Ok. Et après, vous pouvez demander des notes pour qu'ils vous disent, voilà, en fait, comment on fait. Et alors ça, du coup, c'est, voilà, en fait, vous passez plus, vous éloignez de l'Europe, en fait. Ok, d'accord. Bon, je pense que ça va bien se passer. Et on va s'arrêter là-dessus. Salut à tous!